بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. السلام عليكم. Bonsoir. L'islam appelle aux gens de spécialité. Il veut que les spécialités se multiplient, se transforment, évoluent dans le bon sens et que leur nombre soit en augmentation, etc. Et il y a un verset qui signifie beaucoup de choses. Dieu dit, c'est-à-dire à chaque fois que vous n'avez pas quelque chose de vrai chez vous, allez et consultez les gens du savoir dans ce domaine-là, c'est-à-dire allez aux experts, aux spécialistes. Donc le musulman qui dit que je n'ai pas besoin de tel spécialiste, il n'est pas un vrai musulman. Parce que l'être humain, en tant qu'individu, il est toujours faible. Il doit vivre en société, donc il doit demander beaucoup de choses à ses concitoyens, à ses contemporains. Et quels que soient les moyens, que ce soit un moyen immédiat ou média, et nous avons aussi maintenant l'Internet, bien que je ne suis pas d'accord que l'Internet ait une grande référence, mais il peut être utile pour consulter certains experts. Donc, l'islam nous demande de se fortifier, de chercher les bonnes connaissances, de chercher les bonnes solutions. On ne peut avoir toutes ces choses-là que chez les spécialistes. Donc, donner de l'intérêt à ces spécialistes-là. Et le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui, il dit: c'est-à-dire, tout ce qui est sagesse, c'est pour le musulman une chose à chercher et à exploiter et à s'approprier. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.